qu'est-ce qui fait pas peur hein. Si on s'arrêtait à la peur, on ferait pas grand chose. Et des choses en moi que j'ai construit pour la vie quoi. C'est une aventure qui m'a changé totalement. Puis je suis fier de l'avoir fait quoi. Je suis fier d'être allé au bout. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, l'océan nous a laissé passer quoi. Quelque chose de fou que tout le monde peut faire si on a une envie et une volonté farouche. Je suis allé au bout de la peur, je suis allé au bout de la souffrance, je suis allé au bout du bonheur, je suis allé au bout de la félicité, je suis allé au bout de tout. C'est tellement grand et tellement fort et tellement beau. Mais après, ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à œuvrer pour la différence parce que notre monde en a besoin et il a tendance à se recroqueviller de plus en plus dans l'entre-soi. Et je pense qu'il faut agir vraiment pour continuer à montrer que l'aventure de l'autre est la plus belle des aventures et faire des choses différentes, vivre des choses différentes avec des gens différents. C'est là que réside le bonheur. Donc là, c'est toute l'équipe. Ça va? Ouais. À chaque fois que je vois cette vidéo, quand je recommence à pleurer, alors c'est pas bon. Donc je prends quelques secondes. Je suis allé faire ce Vendée Globe. C'était une folie totale, hein, parce que j'avais jamais fait de voile en solitaire de ma vie. Mais j'ai rencontré Michel Desjoyeaux, qui m'a dit bah, « Si, tu peux le faire si tu travailles fort et que tu t'entoures bien. » Et moi, ça faisait 15 ans que je montais des équipes avec des gens complètement différents. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes handicapées, des personnes valides. Et 15 ans que j'expliquais que la différence, en fait, c'est pas une richesse. Que la différence, c'est une richesse que si on s'en donne les moyens et que si on a une volonté à la fois folle et très pragmatique. Et en fait, on m'a mis dans une case de sorte de capitaine au grand cœur, j'en pouvais plus. À chaque fois, on m'invitait dans le cadre de la semaine du handicap, voilà quoi. Et donc j'en avais marre. Je vois que certains connaissent la semaine du handicap. C'est très bien, c'est un très bel événement, mais c'est vrai qu'au bout de 15 ans, je me disais que c'était un peu dingue de mettre autant d'énergie pour juste aller convaincre des convaincus. Alors je me suis dit, quel est le truc le plus dingue et le plus médiatique que tu pouvais faire juste pour raconter ce que tu avais à dire? Que la différence, c'est à la fois le premier facteur de la création, de la réussite durable et du bonheur. Et donc, je suis allé faire le Vendée Globe. Je me suis entraîné pendant 2 ans, 2 ans de folie. J'ai travaillé comme un fou avec mon équipe. J'avais une équipe extraordinaire, mais vraiment travaillé comme un fou. Et le 6 novembre, je sors du chenal des Sables d'Olonne. Vous avez vu la vidéo. Et là, je suis un peu comme un gladiateur qui est dans un tunnel tout noir, qui sort dans l'arène et qui se dit « Wop, putain !» Qu'est-ce que je fais là? S'il y a 350 000 personnes qui sont là pour applaudir les skippers, c'est que le truc que je vais faire, c'est un truc de malade.
Et j'ai eu très très peur. J'ai mis 5 jours à peu près à sortir de l'apnée, et toute la descente de l'Atlantique, hein, le Sable d'Olonne, c'est là, toute la descente de l'Atlantique, eh ben, ça a été horrible. Ça a été horrible, alors j'arrivais pas à dormir. Alors quand vous avez un bateau de 18 mètres qui porte 600 mètres carrés de toile, ça peut devenir compliqué, hein, quand tu vas manœuvrer avec les genoux qui flageolent. J'étais complètement focalisé sur la course et les concurrents. J'avais l'impression que je faisais des trucs nuls. Et c'était vraiment horrible. Je prenais aucun plaisir. Je passais mon temps à sortir dans le cockpit en hurlant mon désespoir. Je me sentais vraiment extrêmement mal. Et puis, arrivé dans les mers du Sud, ça, c'est le plat de résistance du Vendée Globe, c'est le tour de l'Antarctique. Parce que vous descendez l'Atlantique, et puis après... Eh ben, vous faites le tour de l'Antarctique. Le tour de l'Antarctique, c'est simple, c'est des tempêtes tous les 2-3 jours. Donc tempête avec un vent à 100, 120, 130, 140 km/h. Et ça dure un mois et demi. Et les vagues, il n'y a pas de terre pour les arrêter, quoi. Vous voyez le chantier. Donc moi, j'arrive là-dedans et je me dis, c'est le jour 25. Et là, je vais passer 3 jours à pleurer. À pleurer, je suis en dépression. Je me dis, mais là, t'as mis le curseur beaucoup trop haut, Eric. Tu vas te faire mal, tu vas mourir. Et je fais un routage avec mon ordinateur pour m'arrêter à Cape Town, pour abandonner. Et puis je me dis, non, il faut continuer. Enfin bref, je me bats avec mes démons en me disant, si je suis l'usurpateur ou si je suis Eric, qui peut le faire? J'ai une équipe extraordinaire, je vous l'ai dit, je suis bien entouré et je parle avec ces gens pendant 3 jours. Et au bout du troisième jour, je me dis, écoute Eric, si tu vas pas voir, tu pourras jamais supporter ton visage dans une glace, quoi. Tous les jours, tu te verras dans ta glace le matin et tu diras, mais si seulement, t'étais allé voir. Et c'est ce que je décide de faire. Et donc, le jour 28, je fais l'empanage de ma vie. Je vais directement dans le sud et je rentre dans l'océan austral. Je prends la première tempête, plein dedans, à fond les ballons. Je suis comme ça, vraiment comme ça. La nuit arrive, la tempête arrive, et le lendemain, grand sourire, ça le fait. Première tempête, impeccable, ça le fait. Dans cette décision que je prends de franchir cette tempête, je prends aussi 3 décisions. 3 décisions qui viennent quelque part de toute ma démarche que j'ai depuis 15 ans. Qui est de 1, je décide d'éteindre mon ordinateur de bord. C'est-à-dire que je décide de ne plus regarder la place de mes concurrents. La meilleure place, c'est la mienne, c'est là où je suis. À ce moment-là, je suis dans les derniers. Mais je ne regarde plus ces concurrents. La deuxième chose, je coupe l'alarme de mon bateau. C'est-à-dire que je me recentre sur moi. Je sais que le bateau, il ira jamais loin si moi, je ne suis pas à 100% de mes capacités. Alors ça ne sert à rien que je copie ce qu'on m'a dit, ce que les autres marins professionnels m'ont dit, en disant, voilà, il faut que tu dormes par tranche de 40 minutes. Je dis, non, j'arrête l'alarme et je dors ce que j'ai besoin de dormir. Et puis, je décide aussi de moins surveiller mon bateau, de le laisser aller. Et puis, je commence à naviguer dans ces mers du Sud. Je commence juste à aller bien quand le jour 31, je casse mon safran. Alors, le safran, c'est un peu comme si vous êtes sur l'autoroute à 130, en moto. Et tout d'un coup, vous avez la roue avant qui se barre, quoi. Wop, hop, 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 hop. Ça veut dire que je vais tout finir en wheeling, quoi. C'était pas possible. Je réalise là que j'ai 11 heures pour réparer, parce que dans 11 heures, il y a une énorme tempête qui arrive. J'ai un tout petit marteau qui pourrait, à la limite, faire de l'encadrement, vous savez, un tout petit marteau. Et je me dis, il va falloir que je sorte mon safran. Il est cassé de cette façon. Il est impossible de l'enlever, parce qu'il est un peu en accordéon, donc plus j'appuie dessus, moins je sors. Le safran, c'est le gouvernail du bateau, pour ceux qui ne savent pas. Je vais mettre 8 heures pour enlever le safran. 8 heures où ça ne bouge pas d'un millimètre. 8 heures où je vais m'asseoir 100 fois par terre, en pleurant, en me disant « mais j'y arriverai jamais ». Et pendant 8 heures, 100 fois, je me suis relevé, j'ai bu un coup d'eau et j'ai continué. J'ai cassé toutes mes lames de scie à métaux. J'ai bousillé ma perceuse parce que je commençais à faire des trous dans le safran pour essayer de le faire sortir. Mais comme il y avait des creux de 4 mètres
Ben, ça ne marchait pas. Et à la fin, je ne sais pas comment j'ai réussi, mais au bout de 8 heures, je sors le safran. Il part, vous avez les images dans la vidéo, et je mets 3 heures à remettre l'autre safran. Et là, je comprends que en ayant fait ce choix d'aller dans les mers du Sud et d'avoir cet accident catastrophique, je me suis rencontré. J'ai découvert que j'ai en moi, à ce moment-là précis, que j'ai des ressources insoupçonnées et infinies. Et je peux vous dire, ce soir, nous tous, on a des ressources infinies. La seule différence qu'il y a, c'est si on choisit de faire 2 pas dans le noir pour aller les rencontrer. Le lendemain de cette opération, je me filme et je me dis « Mais Eric, t'as gagné ton Vendée Globe. Qu'importe ce qui va se passer, si demain tu démates ou si tu dois abandonner ou s'il y a de la casse, etc. Qu'importe, t'as gagné. T'as fait le choix, t'as fait tes 2 pas dans le noir, t'as fait quelque chose que tu ne sentais pas capable, tu t'es rencontré, c'est extraordinaire. » Mais ça ne s'arrête pas là, au niveau découverte. Je continue mon petit bonhomme de chemin. On est avec un groupe de 5-6 bateaux. On se planque, en fait, parce qu'on a la trouille, il faut dire. On se planque un peu comme des surfeurs, vous savez, qui sont devant la grande vague. Les vagues, ce sont les tempêtes. Et à chaque fois qu'il y a une vague, nous, on fait le canard. On se planque, et puis la vague passe, la dépression passe, et nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. Et là, moi, je vois les professionnels qui sont devant, qui sont loin devant, et je vois qu'eux vont prendre cette vague. Ils font du plein nord, ils remontent plein nord, ils prennent le haut de cette dépression, et tel un surfeur, ils sont propulsés plein est. Et là, je me dis, écoute, Eric, t'as 2 choix. Soit tu subis, et pendant 1 mois et demi, tu vas vivre l'enfer, la trouille au ventre, soit tu décides de rentrer dans l'aventure et d'agir. Et c'est ce que je fais. Jour 36... Je suis au large des Kerguelen, un peu de géographie française, hein, c'est là. Je décide de faire plein nord, alors que les 5 autres bateaux qui m'accompagnent continuent dans l'est. Une erreur tactique énorme, hein, parce qu'ils m'ont mis 200 000, à peu près 400 km. Mais moi, je vais à la rencontre de ma tempête. Et je peux vous dire que je la trouve, parce que je tombe sur une tempête énorme. Énorme. Une branlée. Mais au cœur de cette tempête, il arrive un accident terrible, c'est que je perds mon moteur. Mon moteur ne démarre plus. Et toute la nuit, je vais me battre avec mon moteur pour le refaire démarrer. C'est horrible de perdre son moteur, parce que sur un bateau à voile, on a besoin de ce moteur quand on est en solitaire. Un bateau aussi grand, on a absolument besoin de pilotes automatiques pour le piloter. Ces pilotes automatiques sont indispensables parce qu'on ne peut pas barrer, on a tas et tas de choses à faire. Il faut régler les voiles, il faut bricoler, etc. L'électricité aussi permet de faire marcher le désalinisateur, donc d'avoir de l'eau douce, permet aussi de basculer la quille. Bref, c'est juste indispensable. Donc toute la nuit, je suis dans 60 nœuds, 120 km/h de vent, avec des vagues immenses. Le bateau se fait coucher plusieurs fois, surtout que j'ai réglé le pilote avec la moindre intensité possible, parce que j'ai plus d'énergie. Mon énergie commence à vraiment disparaître. Et je vais bricoler mon moteur toute la nuit. Je me fais coucher avec le gasoil, enfin bref, c'est l'enfer. Au petit matin, le moteur démarre. C'est un miracle. Ça aurait jamais dû marcher. Il n'y avait pas assez d'énergie dans les batteries. J'ai appris à la fin de la course que j'avais de l'eau de mer dans mon moteur, donc c'était mort. Mais le bateau, je pense, mon bateau est une personne, hein. On peut en parler, mais ça sera un autre TED. Le bateau redémarre le moteur. Chose un peu extraordinaire, c'est que moi, je suis tellement content que le moteur redémarre et qu'enfin, il charge mes batteries, que je le fais marcher à fond. Je mets les gaz à fond, je suis tellement heureux. La seule chose, c'est que pendant la tempête, comme le bateau se fait coucher plusieurs fois, je me suis dit que j'ai peur de chavirer, donc j'ai fermé hermétiquement le bateau. Et un moteur, vous savez, explosion, ça consomme 2 choses. Du gasoil et de l'air. Donc, gentiment, je fais le vide dans mon bateau. Et au moment de sortir, parce que le vent rentre très fort, eh ben, je peux plus. Je suis bloqué dans mon bateau. Je vais mettre une petite demi-heure avec un tournevis, avec les joints. Le bateau, quand même, part dans des surfs à 25-30 nœuds. Et je vais réussir à sortir. Je sors et là, je vois la mer.
La mer, c'est simple. Quand elle est déchaînée à 150 nœuds, c'est terrible, mais à 60 nœuds, c'est des lames puissantes. Elle est vraiment rangée, quoi. Et je découvre cette tempête énorme que je n'avais pas vue parce que j'étais dans mon moteur. Et en sortant, en respirant enfin, je me rends compte de la deuxième chose importante que je découvre grâce à mon passage, ces deux pas dans le noir en décidant d'aller dans les mers du Sud. Je me rends compte que j'ai laissé mon bateau faire. Et je me rends compte que lui aussi a des ressources infinies. Et je lui fais confiance, comme moi j'ai appris à me faire confiance avec le safran. Et là, tous les deux, on devient une équipe extraordinaire. On a confiance l'un dans l'autre. On part sur l'océan, et avec cette confiance, avec le fait de viser une seule chose, c'est notre harmonie commune, le fait qu'on aille le plus loin possible tous les deux, eh bien, on va rencontrer ce qui est le plus génial dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est l'état de grâce. Un état de grâce total. Vous savez, c'est le rêve des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, et en fait des aventuriers, nous tous en fait. Un moment qui va durer un mois entre les Kerguelen et, attention, sous l'Australie, tout le Pacifique, jusqu'au Cap Horn. Ce moment magique où moi j'ai fait qu'une seule chose, c'est prendre du plaisir, me préserver, dormir, et j'ai attaqué comme un salopard. Je suis passé de la 17e place à la 9e, et je suis arrivé, en fin de compte, à la fin, au Vendée Globe, premier débutant de la course, alors que j'avais jamais fait de solitaire. Conclusion de cette histoire. C'est dans l'inconnu qu'on se connaît. Donc, faut arrêter de me faire croire que c'est en se protégeant, en fermant les frontières, en se repliant sur nous-mêmes, qu'on va se connaître. C'est en se connaissant, en osant quelque chose de différent, qu'on se rend compte vraiment, qu'on rencontre nos ressources infinies. Et c'est ce qui rend heureux, ce qui nous permet de rentrer dans un état de grâce. Alors, une seule chose, et moi c'est ce que je fais avec Comme un seul homme, une contagion positive, vous ici à TED, racontez tout ce que vous faites, racontez vos deux pas dans le noir et lançons une vraie contagion positive. D'accord ? Allez, salut !